Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 13e épisode de mon Let's Play sur le jeu Sport saison 3. Ah là voilà, bon, alors la dernière fois je vous avais dit qu'on allait faire les deux aventures que j'ai débloquées en fin d'épisode, et donc on va se les faire, clairement il faut que je les fasse. J'ai dit deux fois clairement, c'est bizarre, mais c'est pas très grave. Allez, on se balade. Ah oui, c'est vrai que la superstar galactique machin bidule a besoin de moi pour qu'il puisse faire sa place, enfin faire son concert. Ah monsieur, j'ai déjà fait celle-là. Peut-être pas avec vous. Je crois que je tombe assez rarement dessus, je me souviens plus si je l'ai faite dans une de mes saisons ou pas. Et bah ça sera l'occasion de la redécouvrir, vous savez quoi? Le mania intergalactique de la musique Jim Farkus a besoin de votre aide, a besoin d'aide en urgence. Oh là là, j'arrive même plus à lire. Rendez-vous sur la planète et voyez ce que vous pouvez faire pour lui. Rien du tout. Alors. T'as une tête. Eh bien, vous avez l'œil. Mon nom est Farkus, colonel Jim Farkus, mais appelez-moi colonel. Je suis l'impresario et le producteur des plus grandes superstars de la galaxie. Notamment du seul et unique Smelvin. Ok, il y a un nom bizarre. Apparemment, il y a une violente dispute avec ses choristes ce matin et ils menacent tous de se séparer, quelques heures avant le grand concert au parc. Smelvin a du talent, mais il ne sait l'exploiter qu'avec l'aide de ses choristes. Vous devez les trouver et les convaincre de monter sur scène. Renseignez-vous en ville, vous apprendrez peut-être quelque chose. Essayez de trouver la chanteuse Lola Pop. Lola Pop, sérieusement. Avec elle, vos chances de réunir le groupe seront en bonne voie. Ok. Alors, Lola Pop. Avec mes super pieds qui vont super vite, à la Superman. C'est toi, Lola Pop. Coucou. Ouh, un arbre. Ah, mais un arbre, gros plan. Qu'est-ce qui t'amène ici, chérie? C'est le colonel qui t'envoie? J'imagine qu'il voudrait que je revienne en rampant vers Smelvin. C'est vrai, on a une sale dispute aujourd'hui, mais je comprends que les fans seront déçus. Et si tu m'aidais à répéter, ça leur mettra peut-être les idées en place et on pourra aller voir Smelvin. Nos fans sont plus importants que nos petites querelles de cours de récré. Montre-moi ce que t'as dans le ventre, chérie. Oui, parce qu'évidemment, moi je sais chanter avec mon chant de niveau 3. J'ai tellement bien chanté. J'aime bien le gros vent, quoi. Wouh! Hey! Ouais, j'ai un super chant en fait, elle a un chant tout pourri elle. Voilà, allié. Ah, il faut parler à Lola Pop encore. Je crois que je suis allé dans la flotte là. Ah oui, je crois que je me suis un peu baladé dans la flotte. Oh chérie, c'était merveilleux. C'est bon, tout est clair maintenant. Je dois chanter ça ce soir. Je dois chanter ça ce soir. Voilà, on va y arriver. Allons sur la colline de voir si ce vieux grincheux est chez lui. Ça sent bon le concert. Ouais, j'étais bien dans la flotte. Examiner l'interphone. J'aime bien, c'est que les maisons, elles sont posées, mais genre en mode numéro bis, quoi. Allez. Bonjour, monsieur interphone. Bonjour, c'est qui? Oh, salut Lola, tu viens m'engueuler? Qui est donc ton ami? Comment, tu es prête à me pardonner et tu veux qu'on continue? Oh, merci infiniment, je ne m'en veux pour notre dispute et je comprends ta colère, tu sais. J'adorerais qu'on fasse ce spectacle, Lola, mais tu sais bien que ce groupe n'est plus le même sans Kate Bush. Il faut qu'elle revienne elle aussi. Si Kate revient, alors moi aussi, demande à ton ami de mener l'enquête. Il faut la retrouver. Ramène-la ici et nous pourrons mettre... Mettre enflammé? Hein? Nous pourrons mettre enflammé le concert tous ensemble. Mettre enflammé, mais mettre le feu, pas mettre enflammé. Cop. Alors, je vais me taper un petit coup de vol. Histoire de sauter de toit en toit à la Batman. Sauf que j'ai pas de Batmobile, j'ai des pieds supersoniques. On va y avoir Kate Bush. Hé hey Lola, qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est qui lui?
Ah, alors maintenant Smelvin est prêt à jouer. Et moi, Lola, si je n'ai pas envie. Comment? Ton larbin va m'aider à répéter? Ah, ça c'est Rock. Voyons de quoi il est capable. Peut-être qu'en répétant, on évitera de justesse le lynchage critique. Ah, et j'ai chanté. Coucou. Chantons. Bon, toujours aussi nul en chant en face, hein. Alors, faut lui parler. Ouais, bébé, fantastique. Petit, tu m'as donné le frisson. Allons donner ce concert. Allons au manoir de ce gros Buffy et donne-lui une leçon de rock'n'roll. S'il sait que tout le groupe est là, il ne pourra pas résister à l'envie de se déhancher. Bon, bah faut retourner voir l'interphone, hein. Parce que sinon, c'est pas drôle. On n'aurait pas pu faire ça avant. Ah d'accord, c'est parce qu'en fait j'ai une super technique de chant que j'y arrive trop bien en fait. Wow, la porte elle s'est ouverte genre comme ça. Oh la tronche quoi. Coucou. Hé hé, Lola, Kate, c'est bon de vous revoir. Désolé pour la dispute de ce matin, j'ai été stupide. Je ne sais même pas plus pourquoi, hein. Oh là, je ne sais même plus pourquoi on s'est battu, mec. Mais mec, je suis désolé qu'on soit battu. Hé, c'est qui ça? Peu importe, je vous présente mes plus sincères excuses et pour que tout soit bien clair entre nous, je vais vous offrir une voiture à chacun. Hein? Bon bah ok, d'accord, une voiture, pourquoi pas. Bon, tout va bien alors. Nos fans en délire nous attendent. On a un concert à assurer. Montre-nous la voix, étrange créature que je n'ai jamais vue auparavant. J'aime bien, c'est que ça les embête pas plus que ça en fait. C'est sympa les mecs, c'est sympa de me faire une haie d'honneur. Pourtant, hein, tu vas pouvoir avoir ton concert. Incroyable, magnifique, fantastique, vous avez réussi mon ami, vous avez réussi. Vous avez réuni le groupe et vous avez ramené Smelvin à temps pour le concert. Vous avez sauvé le concert et sûrement ma carrière au passage. Je ne vous remercierai jamais assez, même pas la peine que je commence. D'accord. Ça c'est pas mal comme technique, hein. Genre si on vous emmerde, enfin... Quelqu'un a fait un truc à votre place, tu dis... Je ne vous remercierai jamais assez, donc pas la peine que je commence. Voilà, ça au moins c'est fait. Bon, détendez-vous, installez-vous et admirez le show avec Smelvin et son groupe. Ok. Ils font peur. Ils font très très peur. Moi en attendant je vais essayer de voler sur en faisant du sur place. Et bah voilà. Et bah voilà, toc, 400, et on va faire une deuxième aventure derrière. On va déjà rendre celle-là, rendre la mission. Après, il faudra qu'on fasse des missions plus classiques, je pense. Parce que elle, au moins, elle rapporte un peu. Toc, on va vendre. Missionnaire 2. Plus de météores, capacité énergétique moyenne, pack réparation, machin, machin. Donc là, on commence à avoir des outils de terraformation et c'est très cool parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Faut que je passe par là. Parce qu'il faut clairement qu'on mette en branle notre machinerie à... Ah, zut, comment ça s'appelle ? Notre machinerie à épices, histoire qu'on puisse avoir de l'argent. Alors, une invasion extraplanétaire menace une paisible planète. Ok. Et ben on va débarquer en mode YOLO. Faites équipe avec une force de défense discrète et éliminez la source du problème avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est vrai qu'il y a des grogs, je crois. Hein? Je crois que j'ai jamais fait celle-là. Oh, je l'ai peut-être jamais faite. Une petite équipe de soldats s'apprête à inspecter une capture d'invasion grox. Détruisez rapidement les grox. Ah si, j'ai déjà fait. Connaissons rapidement la planète. Coucou.
Mais elle a l'air bien équipée. Vous êtes prêts à vous battre? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Une capsule d'invasion Grox s'est posée non loin d'ici. Elle infeste toute la vallée. L'invasion se répand. Si nous ne l'arrêtons pas, la planète sera bientôt perdue. Les Grox pourront alors la peupler comme bon leur semble. Nous devons nous débarrasser de cette capsule. En avant, soldats! Ouh là là là. Ça fait boum ce genre de truc. Je lui ai dit quoi? Ça faisait boum! Quoi? Ça l'a même pas tué? Bon, c'est vrai que... Voilà, ça passe. Boum. Ah mais ça prend énormément d'énergie en fait. Non mais casse-toi, ça fait boum. Ouais, c'est exactement ce que je voulais pas, c'est que ça faisait boum. Donc là, on avance plutôt bien. Ah. Tu peux pas charger, d'accord. Ok, ça se fait éliminer rapidement. Moi aussi, si ça continue. Faut vraiment que je me heal. Voilà, hop. Heal et j'obtiens un nouveau truc de puissance. Voilà. On y arrive bientôt. On les défonce bien. Sauf que moi aussi je me fais défoncer. Je suis trop devant, je me fais défoncer. Allez, c'est bon, prenez ma place. Ok, là on arrive au niveau des points de pop. Laissez-moi passer, bande de... Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Hein? J'essaie de passer sur le côté, même si c'est pas gagné. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Ah, mais tape! Je peux pas taper? Ah mais j'ai plus d'énergie! Il y a de l'énergie là-bas. Voilà. Toc, on va pouvoir frapper. Boum! Et quoi? Je suis dans un truc là. C'est bon. Il est où le mec? Barra machin, il est où? T'es là? Ah, j'arrive. Mais pousse-toi! Mais. Ah! Les contrôles de ce jeu sont juste exécrables. Hola! Hola, Gina! Coucou! Beau travail, soldat! On aurait eu du mal sans vous. Les Grox ne nous prendront jamais cette terre. Merci encore pour votre aide. Si les Grox reviennent, j'espère pouvoir compter sur vous. Mais bien sûr, mec! À ton service! Cette musique est pourrie. Cette musique est très pourrie. Oui. Hop, un peu d'expérience. Bon, il faudra encore une mission pour monter au niveau supérieur. Et on se carapate pour rendre la mission. C'est toujours en négatif. Ah ouais, nous méfions des inconnus, c'était genre moins 30 en fait. Ouais, carrément. Donc là, il faut qu'on terraformons, parce que sinon on sera piqué trop de systèmes. Alors attendez, on va juste voir. On sait quoi, c'est l'épice violette. Ah, l'épice violette.
On va commencer par l'épisodette. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette planète? Qu'est-ce qu'elle a cette planète? Elle est pas assez chaude. Il faut la réchauffer et densifier son atmosphère. Et il faut aussi récupérer des créatures. On va aller en récupérer quelques-unes. Alors, direction notre planète de départ. On va commencer à récupérer des créatures. Attendez, hop, on va faire ça comme ça. Oulala, je crois que j'ai un petit peu récupéré trop de créatures d'un coup. Ou trop de bestioles d'un coup. Voilà, ça c'est fait. Je tue un peu les créatures quand je les récupère, en fait. On se méfie. Il faut encore un herbivore. Toc. Voilà, donc là j'ai récupéré suffisamment de choses pour qu'on soit à peu près peinard. Ensuite, il faut qu'on récupère des outils de terraformation. Donc on a dit qu'il fallait réchauffer et densifier l'atmosphère. Alors, une pluie de météores. En espérant que ça passe. Parce que ça coûte quand même super cher ces trucs. Je croise les doigts. C'est pas sûr. Toc. J'ai dit pour élever. On va générer d'atmosphère aussi. Ah, et j'espère que ça va passer. Parce que s'il faut que j'en achète encore un duo, ça va être un peu casse-pied. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Je pense que ça devrait passer. Non, me dis pas ça que ça passe pas. Allez, il manque rien là. Et zut. Ça passe genre juste pas quoi. Ah, zut, il faut qu'on rachète encore un. On va voir s'il n'y en a pas ici. Souvent ça coûte moins cher quand c'est pas notre système d'origine. Générateur d'atmosphère, ça sera déjà ça. Il faut un régénérateur et un réchauffeur. Il faut un micro-ondes. Un gros micro-ondes. Ou un four, comme vous voulez. Ah, t'as pas. T'es nul. Bon, on va devoir l'acheter chez nous alors. Hein. Ah, que ça m'embête. Toc, réparer ravitaillement. Et on va vite filer sur la planète parce que là, il y a urgence. Et j'ai plus de sous, j'ai plus de sous. Il va vraiment falloir qu'on récupère du pognon. Ah, c'est déjà en train de se barrer. Heureusement que je suis allé vite. Toc, que les terres de glace reculent. Voilà. On va pouvoir stabiliser l'indice T. On va commencer par des petites désherbes. Les plus grosses désherbes. On va introduire des animaux.
Toc, terraformation complète. Ouah, ça fait déjà 20 minutes. Donc, comment on a terraformé cette planète? On est bien. Donc là, le dôme devrait disparaître. Mais surtout, surtout, surtout... Oh oui, c'est vrai. Il faut qu'on prenne les trucs. Ça coûte super cher! Tu me sélectionnes? Voilà. Ça coûte vraiment très 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 cher. Voilà, hop. On va prendre ces trucs-là. Bon, bah allons-y alors. Hein. Toc. Il faudrait une usine. Toc. Et on va remettre encore une maison. Parce que je veux vraiment plus avoir de thunes. Plus 28 par heure. Ouais, c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. Non, pas... On a une usine aussi. C'est vrai que j'ai pas assez. Ah non, c'est un disté qui est trop bas. Bon. Mini impulsion, mini auto-dessert, et ta femme. Ah ah, on change de grade. Titre amiral. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on ait un max de... d'épices qui soient produits sur ce genre de planète. Parce que là, j'ai vraiment plus de thunes. Mais alors, plus un rond. Donc, plutôt, dans les prochaines missions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... faire des missions, tout simplement. Dans les prochains épisodes. Je crois que j'ai dit prochaines missions. On va faire, dans les prochains épisodes, des missions pour gagner un peu de thunes assez facilement. Parce que là, on a vraiment plus rien. Et il faut que je terraforme d'autres planètes. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. À commenter la vidéo. À mettre un pouce bleu si vous avez plu, un pouce rouge si vous avez pas plu. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous !